Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus lui ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Ça fait quoi, un an et demi presque qu'on vit avec COVID. Ça a bouleversé bien des choses dans notre vie, notamment dans notre vie de travail. Il y a des gens qui n'ont plus de travail. Il y en a d'autres qui ont toujours le travail, mais ils ne sont pas au travail, ils sont à la maison. Si je demandais à ceux d'entre vous qui avez normalement un travail, combien d'heures vous travaillez dans une semaine? Bien, vous me diriez peut-être que votre contrat, c'est 35 heures par semaine ou 32 heures et demie, c'est à peu près ça, aujourd'hui, la semaine de travail. Il n'y a pas longtemps, c'était 40 heures, c'était comme un chiffre magique, là. La semaine de 40 heures, ça voulait dire 5 jours, 8 heures par jour, 40 heures. Quand j'étais tout jeune, mon père, qui était fonctionnaire, avait une semaine de travail de 44 heures. Parce qu'il travaillait le samedi matin. À ce moment-là, il y a comme, je ne sais pas, là, 65, 70 ans, les gens travaillaient le samedi matin. Je veux dire, les gens qui avaient un travail de bureau. Il y a d'autres gens qui travaillaient le samedi, qui travaillaient dans les magasins, les cultivateurs, les autres travaillaient tout le temps. La semaine de travail était 44 heures. Bon, on voit que la semaine de travail, elle a diminué au cours des années. Je vais vous poser une question, vous allez me dire, pourquoi je serais censé savoir ça? La question, c'est, dans l'industrie de l'acier aux États-Unis, il y a un siècle, c'était quoi la semaine de travail? Donc, il y a un siècle, dans les années 1920, aux États-Unis, dans l'industrie de l'acier, c'était quoi la semaine de travail? C'était 84 heures par semaine. Ça ne prend pas un génie mathématique pour saisir que 84, c'est 7 fois 12. Pensez à ça, là. 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Ça veut dire que jamais de congé. Jamais de congé. Travaillait tous les jours, y inclut le jour de Noël. Travaillait 12 heures par jour parce qu'il y avait deux shifts. Un shift de jour et un shift de nuit. Chacun des deux chiffres était 12 heures. Alors, imaginez-vous l'ouvrier qui travaillait dans une usine, dans une fonderie, là, où on prenait le minerai de fer, puis on faisait fondre dans des hauts fourneaux, puis ça fondait, là, puis c'était rendu de l'acier fondu. Là, puis là, on versait ça, puis on faisait des lingots, bien des poutres en acier. Je ne sais pas quand commençait la journée, le chiffre de jour. Imaginez que c'était à 9 heures le matin. Le gars se lève le matin, il déjeune, il part au travail, commence à travailler à 9 heures, il travaille jusqu'à 9 heures le soir, il revient à la maison, il soupe, il se couche.
Le lendemain matin, il se lève, déjeune, il va au travail pour 12 heures, il revient à la maison, il soupe, puis il se couche. Il fait ça 365 jours par année. Ça, c'était les conditions de travail il y a un siècle. C'est pas le Moyen Âge, là. C'était du vivant de mes parents, ça. Comment c'était terrible comme condition de travail. Vous savez, il y a 200 ans, pas mal tout le monde vivait sur la terre. Ils vivaient au rythme de la nature. Vous savez, il faisait noir le soir, on allait se coucher. Il faisait clair le lendemain matin, on se levait. Si on avait à se rendre à quelque part, on se rendait à pied. Ou bien, si on était chanceux et on avait un cheval, bien, on se rendait à cheval. Et on vivait au rythme de la nature. Et ensuite, est arrivée l'industrie. Puis là, des milliers de personnes sont allées travailler dans l'industrie parce qu'ils ne pouvaient plus vivre à travailler la terre. Ils vivaient dans des conditions terribles. Et ils travaillaient dans des conditions terribles. Ils vivaient aussi dans des conditions terribles. Ils vivaient dans des taudis. Les enfants travaillaient dans des usines. Ils travaillaient dans des conditions terribles, pas sanitaires, dangereuses, pour des salaires de misère, parce que le patron savait que si le gars ne voulait pas travailler, il n'avait d'autres qui étaient prêts à prendre sa place. Donc, il n'avait aucun pouvoir, l'individu n'avait aucun pouvoir de changer ses conditions de travail. C'était comme ça. Je vous parle de ça, pourquoi? Bien, parce que c'est la fin de semaine, la fête du travail. C'est quoi la fête du travail? Bien, c'est la journée où on ne travaille pas. Alors, c'est la journée où on est censé réfléchir au monde du travail, réfléchir à ce que c'est, puis à ce que c'était. Là, je vous parlais de ce que c'était, mais même aujourd'hui, là, où on a des semaines de travail de 35 heures, il y a des travaux, il y a des métiers qui sont dangereux. On entend dire de temps en temps qu'un policier a été tué en service. Et puis là, on fait beaucoup de cas de ça. Vous savez, il y a des policiers qui viennent partout au pays pour les funérailles, puis un défilé. Puis il meurt combien de policiers en moyenne chaque année au Canada? Ils meurent en service, peut-être 2 par année. Il meurt combien d'autres ouvriers de leur travail? Bien, la dernière année où j'ai vu des chiffres, là, il en meurt 900 par année au Canada. Ceux qui ont le travail le plus dangereux, c'est des chauffeurs de camions. Ensuite, des gens qui travaillent dans la construction. Vous savez, récemment, il y a un échafaudage qui est tombé. J'ai oublié où c'était, mais il y a un échafaudage qui est tombé, puis des hommes qui ont été tués. Hein, 900 personnes par année, ils meurent sur leur chantier de travail. Alors, même si les choses sont améliorées beaucoup, il y a encore bien des choses à améliorer. Alors, je vous invite, en cette fin de semaine de la fête du travail, de penser à ça. Si vous avez un bel emploi, un emploi dans un bureau qui n'est pas dangereux, qui n'est pas, qui manque pas de sanitaire, là, vous ne pognerez pas de maladie, à moins que ça soit d'engraisser parce que vous êtes assis toute la journée, là. Mais, vous savez, c'est pas un métier dangereux. Vous êtes relativement bien payé. Mais il y a des gens qui travaillent dans le commerce du détail, là, des magasins, où leur salaire, c'est pas fameux. Pensons à ça. Pensons que le monde du travail, il y a encore des choses à améliorer. Les choses sont améliorées beaucoup. Et je vous invite, en cette fin de semaine ici, là, à ne pas simplement penser à vous reposer, mais pensez à ça. Pensez aussi que si les conditions se sont améliorées, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Notamment les syndicats. Moi, je connais des gens, si tu dis syndicat, ils disent « Ah, ça, c'est dangereux, c'est des communistes, etc. » ou des choses comme ça, là. Des idées comme celles-là, que des... Les syndicats, c'est dangereux. Sachez que l'Église appuie les syndicats. Ça ne veut pas dire que l'Église appuie tout ce que chaque syndicat fait tout le temps, là,
Mais l'idée qu'il y a des syndicats, l'Église approuve ça, ça fait 130 ans. En 1891, donc il y a 130 ans cette année, le pape à l'époque, le pape Léon XIII, a écrit une encyclique qui s'appelait « Sur la condition ouvrière », où il a dit « C'est tout à fait acceptable, normal et dans l'esprit chrétien que les gens qui travaillent, les ouvriers, les employés, s'organisent pour obtenir des meilleures conditions, des conditions plus sanitaires, des conditions mieux payées. » Donc, ça fait 130 ans que l'Église dit que les syndicats, ça justifie. Ça a scandalisé du monde à l'époque. Comment ça? Les employés vont s'organiser contre le patron. Il y en a qui ont été choqués. Le pape a dit « oui, oui, c'est acceptable ». Parce que dans une relation entre un patron et un employé, c'est le patron qui a tout le pouvoir. Il dit « les employés s'organisent de telle sorte qu'ils ont un certain pouvoir ». Ça fait 130 ans que l'Église enseigne ça. Moi, je me souviens de mon petit catéchisme à l'école primaire, là, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas du tout de ça. Pourtant, ça faisait des dizaines d'années que l'Église enseignait ça. C'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. L'Église a un enseignement sur des questions économiques et sociales, dont on n'entend souvent jamais parler. J'encourage à peut-être lire là-dessus. Lire ce que l'Église a à dire sur des questions économiques, des questions sociales. Il y en a qui disent « l'Église n'a pas d'affaire à parler de ça. » Elle devrait parler de comment on va au ciel. Elle ne parle pas de l'économie. Mais l'Église a des positions là-dessus. Ça vaudrait la peine peut-être d'essayer de savoir ce que l'Église a à dire là-dessus. Alors, j'ai pensé qu'aujourd'hui, fin de semaine de la fête du travail, de vous faire penser à ça. Que si la condition des employés, des ouvriers s'est améliorée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à ça. Et l'Église appuie ça en principe. Là, vous allez me dire, monsieur l'abbé, là, vous êtes supposé faire une homélie, vous êtes supposé parler des lectures bibliques, vous n'avez pas parlé des lectures encore. Non, c'est vrai, je n'ai pas parlé des lectures, mais je trouvais que c'était une occasion de parler de la fête du travail. Mais je vais prendre 2 minutes pour parler d'une de nos lectures. La deuxième, la lettre de Saint-Jacques. Pendant 5 semaines, on va entendre des passages de la lettre de Saint-Jacques. On a entendu un passage la semaine dernière, on entend une aujourd'hui. Saint-Jacques, il est vraiment terre à terre. Il dit, vous, là, dans vos assemblées, il parle aux premiers chrétiens, là. Puis par assemblée, il veut dire ceci, là. Il veut dire quand les gens se rassemblent pour la messe. Il vient 2 personnes, 2 hommes, un qui est important puis qui est bien habillé, puis l'autre qui est mal habillé, qui est sale. Puis qu'est-ce que vous faites? Et il dit, la personne importante, vous dites, venez vous asseoir ici, là, excellence, ou je ne sais pas qui, là, où vous êtes, là. On est content de vous avoir, puis on fait des courbettes. Puis le gars sale, là, peut-être sans abri, dit, toi, là, reste dans le coin là-bas. Là. Saint-Jacques veut nous faire penser, comment est-ce qu'on accueille les gens qui ne sont pas comme nous autres? Vous pouvez imaginer qu'il y a un sans-abri qui entre, suite, là. Puis il s'en vient, puis il s'approche de vous. Il s'approche de vous autres, là, d'un de vous. Il veut s'asseoir dans votre bain. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, va-t'en, c'est mon bain, ça. Pas pour toi, ça. Vous savez, on est du monde respectable, mais quand on voit du monde qui sont peut-être moins respectables, comment est-ce qu'on les accueille? Surtout dans la maison de Dieu. Peut-être que lui a besoin de quelque chose ici, là. Peut-être qu'il va entendre quelque chose dans la lecture qui va lui faire du bien. Pensons à ça. Saint-Jacques nous rappelle ça. Comment est-ce qu'on accueille les gens qui ne sont pas comme nous autres? Surtout qu'ils ne sont pas du même statut social. Les différences entre les classes sociales ont beaucoup changé. Autrefois, c'était archi-important. Vous savez, que votre fille, parce que vous appartenez à une classe aisée,
veuille épouser un ouvrier, c'est impossible, hein? C'était pas pensable. Aujourd'hui, ça a pas mal disparu, ces attitudes-là, ces différences de classe-là. Mais encore quelques personnes, quelques catégories de gens dont on ne veut pas. Hein? Ceux qui sont sales, ceux qui sont sans abri. Les autres, on trouve ça tough. Alors, pensons à ça. Réfléchissons à ça. En plus de penser au monde du travail, pensons aux gens qui ne sont pas comme nous autres et demandons-nous comment est-ce qu'on les accueille, surtout dans la maison de Dieu.